Même si on a mis énormément d'impact sur cette équipe des London Irish, on n'a pas réussi à faire de séquences, ce qui fait qu'on n'est pas vraiment rentré dans le match, si ce n'est sur quelques accélérations, quelques fulgurances, mais à titre individuel. Voilà, je trouvais qu'on était beaucoup plus en phase sur la deuxième mi-temps, collectivement, et on était vraiment un bloc tous ensemble. On peut parler de ce qu'on veut, ce qui prime, c'est le résultat, et au niveau comptable, c'est 5 points, donc forcément très satisfait de ça. On a réussi à mettre quelques séquences sur la seconde mi-temps plus que sur la première, donc voilà, c'est bien. Il y a deux jours, je vous avais discuté ici et on voulait simplement passer ce qu'on avait travaillé dans la semaine, et puis voilà, donc forcément c'est positif, mais on ne va pas non plus se jeter des fleurs. Et il nous faut gagner encore deux matchs, je pense, pour être qualifié à coup sûr. Donc voilà, c'est très bien, mais la suite maintenant. Ouais, on a su élever notre niveau de jeu par rapport à tout ce qu'on a pu voir sur les matchs de challenge avec des conditions assez difficiles. On a imposé notre jeu, on a retrouvé notre jeu de vitesse de trois quarts avec une grosse mêlée hyper conquérante. Donc c'est très bien. Ouais, Baptiste et Lou ont fait un super match. Baptiste a deux essais, une passe D, enfin, et j'en passe. C'est une grosse performance de ces mecs qui nous ont amenés durant toute la partie. Donc c'est bien pour eux, c'est bien pour l'équipe. Ouais. Une belle rentrée de Eben, une très belle prestation de Ramiro sur 80 minutes. Défensivement, on voit que c'est un joueur intelligent. Sa lecture défensive à chaque fois, quand son opposant prend le ballon, il le prend lui en même temps dessus. Donc, et puis après, une faculté, malgré un physique un peu fin, à casser des plaquages, quoi. Parce que c'est un joueur qui joue les duels, qui aime bien se placer dans les espaces, et on a vu qu'il subit aucun impact et il gagne tous ses duels. Voilà, donc c'est comme on l'attendait et comme on avait vu ses qualités. Donc c'est plutôt positif pour un premier match, parce que c'est pas évident, il est arrivé, il y a quand même la barrière de la langue. C'est un garçon qui est un peu en retrait, mais qui regarde beaucoup et qui analyse beaucoup. Et après, par contre, sur le terrain, il ne se trompe pas quand il prend les décisions. Oui, la charnière, bien sûr, elle nous a fait du bien. Je pense qu'il y a des choses basiques dans le rugby, c'est les sorties de camp. Et depuis le match de Montpellier, on les a beaucoup travaillées, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait plus le droit de faire des bêtises comme ça, parce qu'à ce niveau-là, c'est la base, en fait. Donc depuis quelques matchs, on sort bien. Et à partir de là, on se met en place, nous, vu qu'on sort de notre camp. Et quand on est en place, forcément qu'on pose des problèmes aux équipes adverses. Donc voilà, c'est bien. Oui. Après, il y a les mêlées, même si on a été dominants sur l'ensemble du match. Mais après, nous aussi, on a, dans l'utilisation du ballon, on a fait des petites scories. Les trois premières touches, on les perd. Donc ce qui... Voilà, on ne se crée pas les bonnes conditions, alors qu'on est bien dans la dimension physique, on pèse sur eux, mais on n'arrive pas à mettre de vitesse. Deuxième mi-temps, on arrive à mettre de la vitesse, plus la dimension physique, plus la conquête qui va bien. Donc effectivement, ça rentre plus dans l'ordre. Donc satisfait après sur le point comptable, satisfait de la deuxième mi-temps, mais il faut plus, voilà, parce qu'on est capable de plus. Ouais, tout à fait, on a montré un bel état d'esprit aujourd'hui, on retrouve... On retrouve de la confiance, on peut se dire qu'on peut mettre un bonus offensif au London Irish, qui reste une très belle équipe de Premiership, qui allait chercher un match nul la semaine dernière à Bristol. Voilà, maintenant, la semaine prochaine, ça va être un nouveau match avec... ils vont rentrer des mecs qui étaient au repos ce week-end. Voilà, on va pouvoir se jauger sur ce match-là. Et c'est ce qui va déterminer si on va pouvoir prétendre à un quart de finale ou pas, quoi.